রাজা শুনতে পাচ্ছো? নন্দা শুনতে পাচ্ছি। আমরা তো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি, তাই না? We want to have a baby. রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে। It was sensitive, it was intense, it was wonderful. নায়িকাদের মানুষ কি বলে জানোস? পেশা। নন্দিনী হলো পারফেক্ট বাঙালি নায়ক। রক্তগর্ভী কোনো সাধারণ নাটক নয়। এইভাবে নন্দিনী করতে করতে আসলে আমি খুব টায়ার্ড। De notre jury lycéen, Pauline Normande et Marie-Lou Romaric Comtet, et les autres membres du jury lycéen, s'ils le veulent, à nous rejoindre sur scène. We are calling the high school jury members on the dais, please. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc nous y sommes, la clôture de ce 22e Festival international des cinémas d'Asie. Ce fut une semaine riche en découvertes et en rencontres. Ladies and gentlemen, good evening. So here we are at the closing ceremony of this 22nd International Asian Film Festival. This week was full of new discoveries and new meetings. Donc, en tant que membres du jury lycéen, nous avons donc jugé les 9 films que vous avez pu voir ici. Ils nous ont donc tous transportés, émerveillés par leurs images et même parfois fait pleurer. As high school jury members, we have seen 9 films in competition. The smoothies made us troubles and amazed us with their pictures and also sometimes they made us cry. Comme vous le savez, chaque année, le prix du jury lycéen est un prix que nous faisons nous-mêmes. Et cette année, nous avons été ravis que quelqu'un se propose pour faire cela. Merci.
As you already know, every year the prize is made by high school jury, and this year we are happy that someone authored us to his service to do it. Donc, il a pris de son temps pour que ce prix soit réalisé, du croquis à la réalisation. Donc, nous remercions donc Stéphane et Antonin d'avoir créé ce prix. They took time to create this prize. After the sketches were finished, the realization of this prize was done by Antonin. So we thank Stéphane and Antonin for making this prize. Nous avons donc choisi un film qui nous a émus pour la plupart et touchés. Donc maintenant, nous allons remettre le prix du jury lycéen. Le choix du prix a été difficile à faire. Now we are going to hand over the prize of a high school jury. It was difficult to make a final decision. There were so many films that we loved. So the prize goes. Le prix, donc ce très beau trophée réalisé par les élèves donc du jury lycéen. Bonsoir. La maltraitance et la maladie d'Alzheimer sont malheureusement des sujets de préoccupation universelle et le film Being Good illustre parfaitement ces problématiques. Au nom de la réalisatrice japonaise Omipo, je remercie le jury pour ce prix. Merci. On va poursuivre par votre prix, qui est le prix du public. Et sans plus attendre, je vais vous annoncer que ce prix du public revient également au film Being Good. The audience award for feature film granted by the city of Vesoul is given to Being Good by Omipo Japan. Congratulations, félicitations, bonsoir à toutes et à tous, dear guests. Thank you so much for coming here in Vesoul, and we are very proud to welcome you here in our small city, lost in the countryside of eastern France, notre petite ville perdue dans la bout de France. You enter the great family of the festival, and the festival, the family of the festival is Martin and Jean-Marc, of course, and all the team, and I would like to thank them, because if the heart of the Asian culture is beating here now, it's thanks to them, thanks to Martin and Jean-Marc. So, congratulations, and thank you for them. The mayor of this city, I would like to thank to the mayor of the agglomeration of Vesoul. They support the festival, they increase their support of the festival. So merci beaucoup, thank you very much to les maires de l'agglomération de Vesoul qui vous aident beaucoup, qui nous aident beaucoup. C'est très important pour eux. Thanks to the festival, Vesoul is the capital of the Asian culture. So we are very proud of them, and especially very proud of you, because it's a pleasure to welcome you this week. Thank you so much. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler, c'est Nicolas va appeler les membres du jury INALCO qui vont remettre leur prix.
Donc on appelle sur scène l'ensemble du jury INALCO, à savoir Ankur Vijay Argawal, Larissa Clément, Johan Ayou, Terapong James Itano, Laura Lacour et Abhisit Warek Siri. We are calling on the guys, the National Institute of Oriental Languages and Civilization jury members. Alors bonsoir, donc, nous sommes le jury de l'INALCO et nous avons eu le plaisir de participer à ce festival. Good evening everyone, we're the INALCO jury and we're very happy to participate to the festival. Nous avons remarqué que beaucoup de films abordaient la thématique du partage et de la confiance. We noticed that several films touched on the importance of sharing and trust. Un d'entre eux a retenu notre attention. But one film stood out for us. Notre coup de cœur va au film. Our coup de cœur goes to Being Good. Pour son originalité, ses qualités cinématographiques et littéraires. For its originality, its cinematic and literary qualities. Pour l'interprétation des acteurs principaux. The interpretation by the main actors. Et le traitement délicat de la question de l'identité. And the delicate handling of the topic of identity. Nous avons choisi à l'unanimité de décerner le prix INALCO. We chose unanimously to award the INALCO prize to the film Tarlo. J'ai donc demandé à Wafa, notre référence Chine à Vesoul, de venir recevoir ce prix. Mais d'un réalisateur tibétain. Donc étant plutôt spécialiste de Taïwan, je suis très contente que ce soit un film tibétain. Est-ce qu'on n'avait pas essayé de l'inviter des années précédentes? C'était le même point. Bon, on avait essayé d'avoir un film tibétain une fois, ça n'avait pas marché, donc cette fois-ci il est là et il a gagné un prix, donc je pense qu'il sera ravi de ça. Voilà. Et en chinois, ouais. 那个虽然那个西藏导演不在，可是他应该很高兴收到那个得奖。 所以我们应该会归给他吧，可能刘浩就可以帮我们给他的奖，谢谢。 Nous allons maintenant appeler les membres du jury Guillemet pour remettre le prix Émile Guillemet, Hubert Lao, Véronique Prost et Anna Nicole Hunt. We are calling on the dice, the Emily Guillemet jury members, Hubert Lao, Véronique Prost, and Anne Colhund. Bonsoir, 13e prix Emily Guillemet cette année et 12e coup de cœur du jury Guillemet, puisque c'est à la deuxième année que nous avions compris que c'était quand même très frustrant de ne décerner qu'un seul prix. Et le coup de cœur date effectivement de notre deuxième venue à Vesoul.
Alors, le coup de cœur, on va commencer par le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est un film qui est porté par une image absolument exceptionnelle, une qualité de la photographie rare. C'est un film qui a un propos social, culturel, qui parle de l'actualité de la Chine sur le plan de la politique de la démographie. Alors ça peut paraître complètement ardu comme sujet, et pourtant c'est un film merveilleusement politique. C'est un film vraiment très très fort sur le plan de la sensibilité. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le réalisateur que nous connaissons bien attache beaucoup d'importance à la forme. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a déjà eu des prix ici, au Festival de Vesoul. Il a eu un prix en 2005, c'était le prix d'Edpac. Il a eu deux prix en 2011, c'était le prix Inalco et le prix Guimet. Donc vous avez peut-être déjà deviné qui c'est. C'est vrai que ce film est parfois un peu lent. On se demande pourquoi il choisit ce type de rythme, et puis on se laisse entraîner, on se laisse submerger vers un ailleurs qui est là-bas, vers le nord. On se laisse submerger et puis on se rend compte très très vite que cet ailleurs, il est au fond de nous. Alors je voudrais remercier et saluer Liu Hao qui nous a vraiment donné un très beau film avec Back to the North. Goes to a very beautiful film with extraordinary photography serving a social and cultural topic dealing with modern China's population policy. A film that you approach from some kind of interest to a director who was already awarded in 2011. Liu Hao, Back to the North. Voilà, pour rappel, en 2005 c'était Two Great Ships et en 2011 c'était Addicted to Love. Donc le prix. Tu veux peut-être dire quelque chose en chinois? Oui, ah oui. Donc, recevoir ce prix, j'en suis vraiment très content. Je voudrais remercier le Festival de Vesoul, le jury Guimet, mais aussi vous tous, le public. Merci beaucoup. I'm very happy to receive this award. I would like to thank everyone and the Guimet jury members. Thank you very much. Bien, donc on va passer au prix Émile Guimet lui-même. Alors ce prix, on a décidé de l'accorder à un film téméraire. Téméraire parce que c'est un film tourné dans un pays où c'est un euphémisme, on n'attache pas beaucoup d'importance aux femmes, on les favorise pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce que c'est un film réalisé par une femme dans un pays où les femmes ne sont pas réalisatrices. D'ailleurs la réalisatrice nous a dit à l'issue d'une séance que sur le plateau de tournage, l'équipe du film l'appelait Monsieur. Voilà. Donc, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Alors, ce film est un film qui brise les tabous, qui parle d'un peu tous les sujets sociaux et culturels concernant la femme, et la place de la femme dans cet univers. Et puis, c'est un film qui va beaucoup plus loin, puisqu'il évoque plein d'autres sujets, et notamment l'actualité intemporelle d'un écrivain que nous connaissons bien, un écrivain bengali qui s'appelle Tagore, prix Nobel. Et puis, c'est un film, on va dire, total, parce qu'il va à la fois très loin dans les contenus, dans les sujets, dans la forme. C'est un film sans aucune retenue, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et donc, le prix Émile Guimet, cette année, est remis à Rubaiyat Hossein pour Under Construction. Et je ne sais pas si elle est là, mais je tiens à saluer l'énorme performance de Shabana Goswami. Voilà, si elle est là, j'aimerais bien me rejoindre aussi, parce que c'est vrai qu'elle a fait un travail en tant qu'actrice magnifique. The Emmy Guimet Award goes to a film by a woman director in a country where very few women or no women are film directors. It's a film which is full of courage. It's a film which is in the heart of a society which does not favor women. It's a masterpiece, Under Construction by Rubaiyat Hossein, Bangladesh. Mm-hmm.
suis maintenant demandé à Pierre Convert de nous rejoindre sur scène. Alors Pierre, vous le connaissez, c'était l'année dernière le président du jury lycéen. Il a eu son baccalauréat et il est parti faire des études de journalisme à Lille. Ils ont bien voulu, avec bien du mal, nous lâcher pour la semaine. Et c'est lui qui a accompagné le jury presse pendant leur séjour à Vesoul. C'est donc lui qui, en leur nom, va dire la décision qu'ils ont prise. D'ailleurs, je voulais vous en parler parce qu'en 2014, j'étais président du jury lycéen. En 2015, j'étais président du jury lycéen. Normalement, on dit jamais 203, c'est ça? Sauf que, en juin, j'ai eu le bac, quoi. Merde. Mince. Voilà, cet événement est arrivé, ça a bousculé pas mal de choses, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Aujourd'hui, le FICA, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire virer? Je vais me faire expulser, c'est ça? À la retraite? À 18 ans? Non. Au FICA, même les gens qui ont plus de 60 ans, ils sont pas en retraite, alors il n'y a pas de risque. Je me suis dit que finalement, le FICA, il finit toujours par réunir ceux qui le passionnent. J'ai le plaisir ce soir de vous annoncer la délibération du jury presse qui va décerner le prix de la critique. Le jury presse a décidé de récompenser 3 films en accordant 2 mentions spéciales et un prix. The press jury has decided to award 3 films in ascending order, 2 special mentions and a main prize. La première mention, The First Mention, pour une représentation riche et émouvante du rôle de la femme dans une capitale en pleine mutation, va à Under Construction de Rebaïat Hossein. Et c'est Kyo qui va... Voilà. Kyo qui a beaucoup de choses ce soir. Kyo qui travaille à Radio France Internationale, qui est journaliste, c'est donc normal qu'on lui rende ce prix. For its rich and colorful representation of a woman's role in a changing capital city, a special mention goes to Under Construction by Rebaïat Hossein. La deuxième mention, pour un portrait vivant et drôle d'une communauté rurale, va à Walnut Tree de Yerlan Nurmuhanbetov. For a numerous portrait of a rural community, a special mention goes to Walnut Tree by Yerlan Nurmuhanbetov. Et on va appeler Émilie Tessieux pour recevoir le prix de la mention spéciale. Émilie. Et pendant ce temps, parce que Guillaume, tu peux remettre le prix. Parce que tu es censé le remettre et non pas le recevoir de Under Construction. Cette seconde mention spéciale. Dans l'autre sens. Oh, voilà. Et enfin, le prix de la critique, donc décerné par Charles Tesson, Haynes O'Neill et Vincent Maldessa, c'est bien de te rappeler ce beau jury presse que nous avons eu pour cette édition 2016. Pour son regard poignant et d'une grande acuité sur la société contemporaine vue à travers un jeune enseignant, le prix va à Being Good de Popo. For a fresh and pregnant view of contemporary society, seen through the eyes of a young school teacher, the main prize goes to Being Good by Homi Po. Et on va en mettre un, c'est fini. Adieu. Et rappelons juste, et on aimerait beaucoup les remercier, ils n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Charles Tesson est le délégué général de la Semaine des Critiques au Festival de Cannes. Vincent Maloza travaille pour le Cahier du Cinéma. Il a eu la gentillesse, juste après être rentré à Paris, d'écrire déjà un article sur Tong Pan,
de Yutana Mukhtasanit, parce qu'il a été tellement touché. Donc, dans le prochain numéro des Cahiers du cinéma, nous aurons un article dédié au Fika Vesoul et à Tangpan, qui était une véritable découverte pour lui, qu'il n'avait jamais vu. Et puis, Ethne O'Neill, une très très grande dame, qui travaille pour ce positif et qui est également spécialiste de cinéma. Donc, c'était vraiment un très très bon jury. Et on aimerait vraiment chaleureusement le remercier, surtout s'il nous regarde maintenant en ce moment sur YouTube, parce qu'ils se sont vraiment prêtés au jeu. Ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais tous les trois ont été des invités remarquables. Donc Pierre, tu étais vraiment en très bonne compagnie. Et ils m'ont encore écrit que tu étais vraiment très bien occupé. Donc vraiment, ils ont passé un très bon moment. Le jury NEDPAC, composé de Mevlut Akaya, Khan Lomé et Don Saron Kovit Vanitsha, à nous rejoindre sur scène. NEDPAC, The Network for the Promotion of Asian Cinema, qui a fêté l'année dernière ses 25 ans. The Network for the Promotion of Asian Cinema has just celebrated its 25th anniversary and has been responsible for discovering new and exciting directors from Asia. And the NEDPAC jury this year has decided to award two films the NEDPAC Prize. For its portrayal of migrant workers struggling in a Japanese small town, effective use of comedy and multiple strands of narrative culminate into a dramatic ending that hits home the film's message with sublime power. The NEDPAC is awarded to Invisible by Lawrence Bacallo. Le jury NEDPAC a décidé cette année de donner un prix ex aequo à deux films. Le premier pour sa belle structure narrative, culminant dans une tragédie finale qui imprime le message du film avec une force extraordinaire, invisible, de Laurence Fajardo, Philippine. To award another film for the NEDPAC Award for Vesoul International Film Festival of Asian Cinema. We'll award this film for craft in storytelling, directing, and cinematography. The film creates debate, raises questions, and gives hope, even as the film itself is a new hope of Iranian cinema. So the other NEDPAC Award goes to Wednesday, May 9, directed by Wahid Jaliwan. Le deuxième prix NEDPAC ex aequo est attribué à un film pour sa parfaite écriture et son exécution technique. Un film qui incite au débat, qui soulève des questions et donne de l'espoir aux spectateurs, comme il en place dans le nouveau cinéma iranien. Wednesday, May 9th, Vahid Jalivan, Iran. Être là, mais il n'est pas là. Voilà, je reçois le prix en son nom et il a envoyé quand même un petit message disant que l'art s'est fait pour nous réveiller, nous faire réfléchir, nous faire rêver. Et si nous contribuons si peu, tant que si peu ce soit, c'est grâce au travail à l'arrache-pied des gens comme vous, les gens qui organisent des festivals, que ça devient possible. Merci. Il nous reste à appeler le jury international, donc présidé par Im Sang-soo et accompagné de Nana Knas, Mania Akbari et Yutana Mukhtasanit. Nous avons eu un immense plaisir de vous avoir avec nous pour la simplicité. We're calling the international jury. Okay, we are four, and maybe you start. Four.
for the special mention. Even though Asian countries have many economic, political, and poverty problems, this movie brings happiness because of the sincerity and easygoing of the characters. We want to grant a special mention for a Kazakhstan film, Walnut Tree. For it being a situation comedy, cultural, yet a high artistic value, rely on happiness. La mention spéciale du jury international va à un film Walnut Tree, Kazakhstan, Yerlan Nurmukambetov, pour sa capacité à donner le sourire avec une galerie de personnages truculents dans un contexte économico-politique difficile. Is to a very sensitive and nuanced film about a personal journey of a woman, and the winner goes to Bangladeshi Rubaiyat Hussein for Under Construction. Le prix du jury international va à un film qui est un portrait tout en sensibilité d'une femme qui lutte pour l'affirmation de son identité, un film qui vient du Bangladesh, de Rubaiyat Hussein, Under Construction. Jury to Iranian film Wednesday, May 9. Le Grand Prix du jury international va un film iranien Wednesday, May 9 de Vahid Jalilvand. Ben voilà, j'ai rien d'autre à rajouter parce que j'ai tout dit. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup. Que ça part. Ok, pour Cycle d'or. This film shows the life is just trivial, lonesome, nothing. Somehow beautiful something. Cycle d'or goes to Dahlo. Le cycle d'or. Le cycle d'or est décerné à un film pour le portrait d'une vie triviale, solitaire, sans rien, et pourtant, d'une certaine façon, une belle vie. Il est décerné à Tarlo de Pema Tseden. Fin. Donc, en fait, grâce à Anne-Sophie Lehec de Chinese Shadows, le réalisateur nous a écrit un petit mot. Et le voici, donc voici le mot de Pema.
Je vais peut-être d'abord le lire en anglais, puis je vous le traduis. Donc, hello everybody, yesterday was our Tibetan New Year, and I'm very happy to hear this good news today. Donc, bonjour à tous, hier c'était le nouvel an tibétain, et je suis vraiment heureux d'avoir, d'entendre cette bonne nouvelle. I think this monkey year will be a very lucky year for me and our film. Je pense que l'année du singe sera une très bonne année pour moi et le film. I feel really sorry that I can't attend the ceremony, but I want to thank the Honorable President, the jury and the Vesoul Film Festival for your generosity towards this film. Donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là à cette cérémonie, mais je voudrais remercier l'honorable président, le jury et tout le festival du cinéma d'Asie de Vesoul pour votre générosité envers ce film. I also want to thank all the team members, the producer and the studio. Je remercie également toute l'équipe du film, le producteur et le studio. Of course, I am not forgetting my French friends because you've been supporting me and helping me all the way since the beginning. Et bien sûr, je n'oublie pas mes amis français parce que vous m'avez soutenu depuis le début. At last, is my best wishes to the film festival. I hope the Vesoul Film Festival can grow bigger and better in the future. Et pour finir, tous mes vœux vont au festival de Vesoul et j'espère qu'il pourra continuer à grandir et s'améliorer encore dans le futur. Tâchez d'élec. Et donc de la part de Pema Tseden. Voilà, merci beaucoup. La nouvelle agence à la culture de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté qui a fait beaucoup de kilomètres puisqu'elle est venue depuis Chalon-sur-Saône pour nous remettre donc ce cycle d'or. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je fais beaucoup de kilomètres mais je pense que tout est relatif par rapport à certaines personnes qui sont sur scène et dans la salle. En préambule, je souhaiterais juste redire rapidement le soutien et la compassion de Marie-Guide Dufay pour les familles qui ont été endeuillées et les personnes qui ont été touchées par le drame qui s'est produit ce matin dans un bus scolaire qui emmenait des jeunes à peine plus jeunes que certains lycéens ici. Et je voulais redire le soutien et la compassion de Marie-Guide Dufay. En tant que vice-présidente chargée de la culture dans notre grande, belle et nouvelle région, je viens vous transmettre notre message de soutien, d'encouragement et de remerciement. Je ferai très court, mais toutefois, permettez-moi en quelques mots de vous faire part de mon émotion. Tout juste élue de Bourgogne-Franche-Comté, je savais que de Vesoul à Mâcon, de Saint-Claude à Sens, de Nevers à Pontarlier, la diversité de notre territoire m'offrirait des rencontres auprès de personnes riches de leurs différences. Et puis je suis là ce soir, et alors là, je mesure d'autres dimensions. Je pense qu'on peut parler de perles du territoire avec ce festival. Tout ce à quoi je crois est réuni ici ce soir. Une culture ouverte, nourriture de notre pensée du monde, de l'autre, de soi-même. Un phare qu'est le cinéma, qui éclaire et élève ses lumières de documentaire en fiction, de fiction en animation. La passion des uns là-bas, conjuguée au travail d'équipe des autres, ici, pour montrer, contempler, raconter, découvrir, échanger, transmettre, vibrer, plaire, partager, apprendre, comprendre, épanouir, s'épanouir, savourer, émanciper, créer. Venir à Vesoul, pour ce festival, c'est tisser des liens, assembler des continents, recoudre des déchirures, broder du vivant au sein des histoires et de l'histoire. Venir à Vesoul pour ce festival, c'est de films en aiguille, repriser l'étoffe du monde, que votre présence à toutes et tous rend d'ores et déjà meilleure. On va faire les traditionnelles photos des vainqueurs. On va juste les autres nous pousser sans descendre pour l'instant de scène. Moi, j'y vais.